Salut! Bienvenue sur la chaîne GeekTech. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail le mélangeur audio USB SC3 de Fifine. À seulement 50 $, ce petit appareil pourrait bien être ce que vous cherchez. Découvrons ensemble ses fonctionnalités, ses points forts et ses faiblesses. Mais avant de commencer, si vous appréciez les revues et vidéos de technologie, n'hésitez pas de vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Pour commencer, voyons ce que vous trouverez dans la boîte. Vous y découvrirez une documentation complète avec un manuel d'utilisation détaillé pour vous guider. Un câble USB-C avec un adaptateur USB-A est également inclus, facilitant la connexion à différents appareils. Vous recevrez aussi un câble TRS de 3,5 mm à 3,5 mm de bonne qualité. Et bien sûr, l'élément principal, le mélangeur audio SC3 lui-même. Passons à la construction et au design de ce mélangeur. Bien que principalement en plastique, ce qui est raisonnable pour son prix, le SC3 est léger mais bien conçu. Les boutons sont caoutchoutés et agréables au toucher, offrant une bonne résistance. Malgré son coût abordable, il donne une impression de robustesse et de fiabilité. Voyons maintenant les différentes connexions disponibles sur ce mélangeur. À l'arrière, vous trouverez une entrée USB-C pour le connecter à votre PC ou téléphone, une sortie de ligne pour des enceintes actives, une sortie casque pour vos écouteurs, ainsi qu'une entrée ligne pour connecter un autre appareil comme un PC ou un téléphone. Il y a également une prise casque avec microphone intégré. Un petit avertissement cependant, l'entrée micro XLR ne fonctionnera pas si la prise casque est utilisée. Vous avez également un commutateur pour basculer entre un microphone à condensateur et un microphone dynamique. Voyons maintenant les fonctionnalités offertes par le SC3. À l'avant, vous trouverez une entrée combo XLR avec un bouton pour activer l'alimentation fantôme 48 volts, ainsi qu'un bouton électrique pour l'autotune. Quatre boutons personnalisés vous permettent d'enregistrer vos propres effets, ce qui ajoute une belle touche de personnalisation. Les avantages du SC3 sont nombreux. Tout d'abord, il offre jusqu'à 50 décibels de gain, ce qui est parfait pour une variété de microphones. Le bouton de sourdine pour le microphone est un ajout très pratique, surtout pour ceux qui participent à de nombreuses réunions en ligne. La sortie casque est capable de piloter des écouteurs exigeants, et la sortie ligne permet de connecter des haut-parleurs actifs. En plus de cela, le SC3 est compact et ne prend pas beaucoup de place sur votre bureau. Il est alimenté par USB, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de câbles d'alimentation supplémentaires. Enfin, son prix est extrêmement attractif, environ 50 $, parfois moins en promotion. Bien sûr, il y a quelques points faibles à mentionner. La construction en plastique peut sembler bon marché, mais c'est acceptable pour le prix. Vous ne pouvez pas utiliser le microphone du casque et le micro XLR en même temps, ce qui peut être limitant. De plus, certaines fonctionnalités, comme le changement de voix, peuvent sembler gadget et peu utiles pour certains utilisateurs. Pour conclure, le SC3 est un excellent mélangeur audio pour son prix. Il fait bien son travail sans trop de fioritures. Si vous cherchez un appareil compact, abordable et fonctionnel, le SC3 est un choix solide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin, d'appuyer sur le bouton j'aime et de s'abonner pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. À bientôt.